Hello to you, baby. It's your boy, Mad. Nouvelle semaine, nouvel épisode du Get Ready Show. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous m'avez harcelé tout ce week-end. Vous m'avez harcelé de Snap. Vous vouliez absolument que j'aille tester le nouveau sub, le sub mexicano. Si, Flamengo, hola, si, hola, ¿qué tal? Voilà, hein? Muchachos, gringos, pepito. Je sais pas parler espagnol. Est-ce que le sub mexicain est bon? J'ai envie de te dire, on va tester ça tout de suite dans le Get Ready Show. Here we go, baby. Welcome in the Get Ready Show. Get ready. Je crois qu'il a envie de manger, lui. Bon. C'est parti, on va voir un petit peu à quoi ressemble ce sub mexicano. Alors, j'ai des petites nachos, des petites chips qui sont présentes. C'est un supplément de 1,30€ sur le menu. Alors déjà que on parlera des prix à la fin, mais déjà que c'est pas donné au niveau des prix. Si en plus il faut rajouter 1,30€, la Subway abuse un petit peu. Les nachos, bon bah tu payes 1,30€ en plus pour avoir ça, quoi, ça c'est pas ouf. Tu as soi-disant des nachos gratinés. T'as 3 fois rien en fromage, 3 fois rien en sauce. C'est relativement sec. Ça passe. Voilà quoi, j'ai bouffé le plus gros du fromage et là il reste plus rien. Subway se fout un peu de notre gueule là. Pourtant, j'adore Subway. Espérons qu'il se rattrape sur le sandwich. Voilà ce pourquoi j'ai payé presque 10 balles sans compter les chips. Voilà. Donc, t'as une trace de guacamole, t'as la sauce Southwest que moi j'ai choisi. À côté de ça, bon, comme dans tous les Subway, tu peux choisir les condiments que tu mets dedans. Et puis, bah, t'as 3 fois rien en poulet, quoi. Ça part mal, les gars, ça part mal. La première impression, en fait, plus que tout, c'est le guacamole qui ressort. C'est dommage, parce qu'en fait, le guacamole est tellement puissant. Et puis, bon, c'est pas, il est pas exceptionnel, hein. Mais le guacamole est tellement puissant que du coup il masque vraiment le goût du poulet, le goût du reste. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est juste un seul poulet dans lequel on a rajouté du guacamole et qu'on vous vend ça en mode hey, hola, que tal, te mexicano, te hola, mexicano. Les gars, c'est, on se calme, hein. Toute une campagne de pub pour du poulet, hein, normal, et du guacamole. Et on te vend ça presque 10 balles. Moi, ça me fait mal au cul, je sais pas vous, mais moi, ça me fait mal au cul. The Get Ready Show. Bon, alors, j'ai pris un sub 30, sauf que j'ai joué la sécurité, c'est-à-dire que sur une moitié de sandwich, j'ai pris des meatballs. Et j'ai bien fait parce que c'est une valeur sûre et que tout simplement, bah, si j'avais pris un sub 30 mexicano, je serais sorti de là en étant furieux. Hein. Honnêtement, j'aurais été vraiment déçu. Donc voilà, j'aime quand même Subway, hein, il faut le dire. C'est pour ça que j'ai pris le meatball. Mais là, je vais les tracher parce que I'm getting mad. Là, j'ai l'impression, tu vois, I've been scammed, j'ai été arnaqué. Je me suis fait pigeonner. Sur ce sub mexicano, la promesse produit n'est pas tenue. Je suis vraiment très déçu. On te promet un sub nouveau avec des saveurs de ouf, yeah, fiesta, la la la, piñata, machin, mes couilles. Non, hein, c'est juste un sub poulet avec une trace de guacamole en plus et fini, basta, et on nous vend ça super cher. Genre beaucoup plus cher qu'un sub poulet normal. Les chips, elles sont pas gratinées, hein, c'est juste bah, du fromage qu'on met sur les chips, qu'on passe au micro-ondes, et c'est pas du fromage gratiné, c'est du fromage fondu, et du coup le tout est hyper mou. Donc ça, encore une fois, c'est une déception. Je donne 3 sur 10. Oui, je sais, c'est la première fois que je suis aussi trash, mais je donne 3 sur 10. Je suis pas ressorti de là en étant super, super subjugué, tu vois. Désolé, je rate en même temps, c'est parce que voilà. Bon. Honnêtement, j'ai payé 10,30€.
J'ai rajouté 1,30€ pour les chips, voilà, parce que ça encore faut m'expliquer pourquoi on doit rajouter 1,30€ de supplément pour des chips. Normalement c'est inclus dans le menu. Eh ben non, voilà, hein, toujours more money, hein, more extra. 10,30€ donc ça c'est ce que j'ai payé. Le sub 15 est à 7€, le menu sub 30 est à 9,50€. Vous avez toutes les infos. Si jamais vous avez envie de venir vous faire un petit kiff, hein, de bouffer mexicain, machin, moi je vous aurais prévenu. Si jamais vous avez des endroits carrés à me proposer ou des trucs à me proposer, n'hésitez pas, ça se passe sur mes réseaux sociaux. Hit me up on my social networks, Madeline, on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Dites-moi également dans les commentaires ce que, bah, si vous avez bouffé ce sub mexicano, ce dont vous avez pensé de ce sub. Hein, voilà. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Lâchez des gros likes, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se revoit comme d'hab lundi prochain, 18h, pour un nouvel épisode du Gab Ready Show. D'ici là, take care and bless you. Don't forget to like and subscribe. And follow my man, Ahmed, on Snapchat. Bitch damn.